Bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de Balrog. Dans le garage de Balrog, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le BWP 1M Puma que vous voyez à l'écran, qui est un char premium tier 4 qu'on peut avoir, qu'on peut débloquer durant ce mois-ci. Enfin, il faut faire plein de choses, je vais vous expliquer tout ça. Durant ce mois-ci pour éventuellement le débloquer à la fin du mois. Et avec moi, je ne serai pas tout seul parce qu'il y a monsieur Rex qui va m'accompagner, mais lui, il n'aura pas le BWP 1M Puma que vous voyez à l'écran, mais il aura un autre char, le B. Je sais plus combien. Mais il va d'abord vous dire bonjour. S'il est poli. Salut à tous. Alors c'était quoi ton char? Un BMD1. Un BMD1 qu'il a, lui. Et donc le... qui est pas du tout un char premium. Mais le BWP 1M Puma. C'est pas facile son nom à dire. On va l'appeler Puma. Le Puma, en fait, vous pouvez le débloquer pendant l'event qu'il y a durant ce mois-ci. Qu'ils ont appelé la folie de mars. Youhou! Enfin, c'est pas terrible comme nom. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et donc c'est un événement qui a lieu du 7 mars au 4 avril 2016, hein, pour ceux qui regardaient toujours la vidéo en 2026, c'est un peu tard les gars. Retrouver une machine pour remonter dans le temps, parce que là c'est un peu tard. Donc en fait il y a plusieurs possibilités durant cet événement, plusieurs choses à faire. Donc déjà vous pouvez gagner 50 batailles en PVP en une semaine. Si durant une semaine vous réussissez à gagner 50 batailles en PVP, vous récoltez 1 million de crédits. Ça, c'est une mission qui peut être faite plusieurs fois d'affilée. Et ensuite, si vous faites 100 batailles, si vous gagnez 100 batailles en PVP JCJ durant l'event, donc du 7 mars au 4 avril, vous pouvez remporter 14 jours de premium. Et après, si vous remportez 150 batailles en PVP JCJ durant la période donc du 7 mars au 4 avril, et ben, vous pouvez remporter un BWP 1M Puma, donc le char premium de rang 4 que vous voyez à l'écran et qui ne sera pas disponible à la vente. Ce sera un char premium qui sera uniquement, qui est a priori uniquement donné durant cet event. Et si vous réussissez à faire les 150 victoires en PVP ou joueur contre joueur JCJ, donc on va aller tester tout ça. Si je retrouve le peloton pour me mettre prêt, voilà, nickel, et on va aller faire un tour en bataille. Par contre, je suis pas super doué avec ce BWP plutôt. Je suis pas super doué avec. Il est assez particulier. Son avantage, c'est qu'il a des hits qui font très très mal et qui ont une bonne pénétration. La hit a du... C'est où les pénétrations? 210 de pénétration, la hit de ce petit char. Donc franchement, ouais, une très bonne pénétration. Et en plus, il fait pas mal de dégâts, je sais plus combien. Et en plus, on a une partie top tier. Waouh. C'est la même chose avec le BMD, sauf que... C'est pas la même châssis. T'as des missiles, toi, en plus. Ouais, j'ai des missiles, mais j'ai un gros canon aussi. Qui ouais, perce bien. Mais toi, c'est de l'aluminium. Ouais, c'est de l'aluminium militaire. Attention. Tandis que moi, c'est de l'acier, pas militaire. D'ailleurs, les taches brunes que vous voyez sur la carrosserie, ce n'est pas de la peinture, c'est de la rouille. Et donc, je sais plus combien ça fait. Non, faut pas que je fasse ça, ça va faire des bêtises. Vas-y, donne-moi la main. Hop, ça fait 308, entre 308 et 414 de dommages, et donc entre 179 et 242 de pénétration. Enfin, parce qu'on a toujours un petit ratio, un plus ou moins 20%, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement combien c'est pour définir les dégâts et la pénétration. Alors, on va aller dans notre endroit tout là-bas. Par contre, j'ai pas énormément de FPS aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Comment ça va? On va dire, j'ai peut-être quelque chose qui tourne derrière, je sais pas. Aurais-je oublié de faire d'arrêter quelque chose? J'espère que ça va pas être trop désagréable à regarder. Parce que là, je suis pas... J'ai pas beaucoup de FPS, à moins que j'aille voir sur le bureau rapidement si j'ai pas quelque chose qui tourne. Attends, je vais me mettre à l'abri déjà, tout là-bas, et on va regarder ça rapidement. Normalement l'enregistrement ne devrait pas se couper, je peux faire ça sans couper l'enregistrement. C'est moderne. Ouais, moderne, technique et tout.
me cacher derrière le bâtiment là, faire une petite pause. Hop, et je vais rapidement voir sur le bureau. Qu'est-ce qui tourne en arrière-plan? On va fermer ça. Hop, ça c'est fermé et c'est tout ce qu'on a en arrière-plan. Donc théoriquement, ça devrait bien tourner. Théoriquement. Voilà, on est revenu dans le jeu. Normalement, vous avez rien vu. C'est juste le son du jeu qui a été coupé et j'ai pas beaucoup plus de FPS. Bah, je sais pas pourquoi en fait. Je vais peut-être monter au milieu. Enfin... Par contre, il a pas de blindage. Hein. Ce petit chien, il a pas énormément de blindage. Par contre, il peut faire très mal si on arrive à mettre une dose, si les rouges sont suffisamment immobiles pendant suffisamment longtemps pour mettre une grosse dose comme je viens de mettre au pauvre petit AMX 10P, pauvre bête. Pauvre bête. Oh, mais il y a plein de monde là-bas. Un petit léopard. Voilà, une belle dose, 347 sur le léopard. Le russe, un peu plus difficile, on va plutôt privilégier le léopard si on peut. Le léopard, c'est pas super, forcément super costaud. J'ai été spoté. Pas bon. Pour l'instant, il me regarde pas. Il me regardait. Ouais, il y en avait un qui était pas spoté, mais qui me regardait. Pas sympa de sa part. Pas sympa du tout. Quand même un peu disproportionné hein, ta tourelle comparé au châssis. Oui, mais c'est son problème en fait parce que il a pas du tout de. Ce pauvre char, il a aucune dépression vu la tourelle est au milieu du châssis. Du coup, c'est pas évident. Oh voilà, merci. C'était lui qui me spotait, je pense. Donc, je perce pas la tourelle du russe qui est en face, du MBT qui est en face. En fâche. Toi, ça se passe bien? Ça se passe vachement bien. C'est pour ça que tu disais plus rien, que je trouvais que t'étais vachement silencieux d'un seul coup. Ah ben non, je suis mort un peu après avoir arrêté de parler, mais... Ouais non, mais il me rush, donc... Mais voilà. C'était pas ta première partie avec ce chat? Là, je le perce pas à l'autre là-bas, j'ai pas assez de pénétration pour lui faire mal. Ah, mes FPS sont revenus. Bon. Je sais pas pourquoi. J'avais pas beaucoup de FPS en début d'enregistrement. Bad case, ça passe pas, c'est pas cool. Non, c'est normal, c'est parce que le T64 il a du blindage qui fait qu'il est largement plus efficace qu'on peut de la hit. Le M6P n'a pas aimé que je lui tire dessus tout à l'heure. Mais il a pas aimé du tout. Eh bah tiens, prends ça dans ta tronche, mon gros obus qui fait mal. Le gros obus qui fait mal. Ouais. Non mais c'est le T-64, un blindage vachement résistant aux charges. Comment ça s'appelle en français? Charge quoi? Charge formée. Non. Tiens, regarde ce tir en roulant. Non, parce qu'en anglais même... c'est shape charge. Shape charge, c'est des charges... C'est des missiles. Bah, shape, c'est la forme. Oui, c'est des charges formées, c'est ce que j'ai. Mais ça fait pas très... pas terrible. Ah, shape. Il n'y a pas grand chose qui fait terrible le français. Ouais, en français, c'est pas terrible. On n'est pas très fort en... On n'est pas très fort point de vue mot en français, en fait. Bah ouais, pour le titre du film, j'en avais déjà parlé. Souvent, c'est super en anglais. Et puis, dès qu'essaye de le traduire en français, ça devient tout pourri. Bah regarde, hein, le mot badass. Yes, le mot badass en français, c'est pas très badass. Hein. Badass, ou, c'est... Mauvais cul. Mauvais cul, ouais, c'est ça. C'est vraiment nul. Non, mais à la limite, tu pourrais le traduire par mauvais garçon. Rrrr, qui dit mauvais garçon. Mais ça fait pas terrible non plus, tu vois. C'est... Ça fait pas terrible du tout non plus, c'est ça le problème. Donc on va voir combien j'ai fait avec ce petit... En fait, il faut pas aller au contact avec ce BWP1M Puma, faut pas aller au contact, faut essayer de rester un peu en arrière. Oh,
J'ai eu la Ah médaille d'or et j'ai bah. eu la maître artilleur. Bah Moi, t'en bien. fais pas, moi aussi, je viens de me rendre compte qu'il fallait pas aller au contact. Faut pas trop aller en contact avec son petit blindage en acier là, qu'il a pas beaucoup d'ailleurs. Je sais plus combien il a de blindage en acier. Bah oui, châssis avant 18, gauche, non, côté 7, arrière 5. Ok. Et Moi tourelle j'ai 23, 23, 13. Super. 15, 10, 10 et c'est tout ça c'est x 0,90. Donc Non, c'est même pas les moi bonnes c'est valeurs. foie, hein. Moi c'est foie. Hein. Ouais, Ça c'est de c'est fort. l'aluminium militaire, hein. C'est Ouais, c'est ouais, pas. c'est pas. C'est pas de l'acier, hein. Ça, moi c'est de l'acier. C'est de l'acier pas militaire, mais de l'acier russe, tu vois. Donc du coup, c'est vachement plus. Bon, Ouais, enfin c'est. l'acier polonais. L'acier polonais. C'est polonais, mon cher? Ouais. Ouais, il est polonais. T'es sûr? C'est ce qu'ils avaient Ah marqué dans ouais, leur poste. mais il est polonais de l'ère soviétique, non? Ouais, off. On va dire ça comme ça. Après avoir évalué divers prototypes pour améliorer le BMP-1, l'armée polonaise choisit ce qui allait finalement devenir la BWP-1M Puma, une version de la gamme Puma. Ce prototype de véhicule de combat blindé utilise la tourelle standard Il y a un monsieur armoire de fer, il manque un mot. La tourelle standard du. Et on sait pas ce qu'il y a après en fait. Du Tourelle après. standard du BMP, Du peut-être? BMP peut-être, ouais, je sais pas. Et donc c'est une. Ouais, mais BMP à la base c'est un russe, non? Ouais, c'est un soviétique. Un Isovidig? Un soviétique. Même pourquoi. En fait, je sais pas faire l'accent russe. Rouskov. Alors Non, là, tu mais vois, on franchement, va pas aller c'est pas très devant. sain. Ouais, je sais. Là-bas, il faut jamais y aller. C'est la dead zone. Is it dead zone? Bah oui, vu qu'on se fait snipper de tous les côtés. Yes. Oui, the report. Yes, of course. Ah, bon, attends, je te suis. Non, là tu me précédais. Ah, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Attends, il y a des gens qui viennent du milieu des fois. Ah. Bah attends, je charge le missile alors. Par contre, ouais, vous avez aucune dépression avec ce truc-là, vu que la tourelle est complètement au milieu du char. Un gros désavantage. En plus, elle est, comme je disais, vrai que ça est totalement disproportionné cette tourelle. Par contre, les deux petits trucs, il y a deux petits trucs du côté, chaque côté du canon, on dirait des yeux. C'est mignon. Oui. Mais nos deux chars sont mignons en fait. Tu sais pas pourquoi, ils sont moches, mais ils sont mignons quand Le même. tien, il est vraiment pas terrible, le tien, mais ça va. Non mais C'est regarde surtout en fait, tu l'arrière qui est vois, il est. bizarre, en fait. Ouais, là, c'est l'arrière qui est bizarre. Mais ça L'arrière s'arrange. du chien, elle est bizarre. Ça s'arrange avec le tier Donc, il n'y a 7. personne au milieu? Bah, si j'ai pas de tiré de missile, ça veut dire que non. Donc. Pardon. Il y a un OF-40 là-bas, je me demande si je peux pas l'avoir. Non. Non, il redescend sur la route. Bon, je garde le missile chargé du coup. Ouais, vu que t'as un missile, autant en profiter. Et en plus, lui, il perd ce On vachement peut bien. peut-être tirer là-bas sur ceux-là qui sont là-bas, regarde. Oui, on peut tirer. Un Viens. Sheridan, ouais. Attends. Merde, bah pas la dépression en fait. Faut que je trouve un terrain en pente pour Attends. tirer vers. Le char soviétique. Il faut trouver un terrain en pente pour tirer vers le bas. Il va où ce con? Non, il était encore dans un rocher. Je suis en train de tuer des rochers depuis tout à l'heure. Attends, hop, je me rapproche de toi, j'ai tiré un missile qui a servi à rien. Ah, j'ai tué encore un autre rocher. Ah, le F40. Attends, tu lui as fait Trop peur. tard. Ouais, mais ton missile, tu peux le diriger. Bah ouais, Rappelle que les missiles, mais. vous pouvez le diriger après le tir, vous pouvez dire. Ou pardon. Vous pouvez les diriger avec le curseur de votre souris, hein, si vous indiquez. Au Mais missile c'est. d'endroit où. Vu que je t'ai dit que ça faisait une éternité que j'ai pas tiré avec, j'ai un peu du mal Cherche pas pour la lead. d'excuses. Normalement, t'es naturellement né. La Brigitte. Oh, il est mort. J'ai vu un. Tu me fais peur avec ton missile. Et. Oh merde. Brigitte qui est partie. Qui c'est qui me Y'a un vise? C'est toi missile. qui me. Ouais, non. Bah quoi? Si! Alex, spécialiste de mourir avant Balrog. Non, mais attends, mais C'était j'étais pas spoté. peut-être moi. Non, j'étais pas spoté non plus. Mais tu vois les traçantes en fait dans le jeu, tu vois les traçantes, même si t'es pas spoté, tu vois d'où vient le Mais ouais, missile mais ou d'où vient l'obus. ça faisait une Donc éternité que j'avais pas tiré. tu peux tenter des blinds. Par contre là, on est en train de se faire une équipe est en train de se faire humilier. C'est impressionnant. Ah, ici. Yes, un kill pour Balrog.
Bah, peut-être que j'aurais dû utiliser les missiles en fait. Bah, les missiles, c'est. Le problème des missiles, c'est qu'il faut s'arrêter, quoi. Ça pénètre pas, non. Ouh, là-bas, il y a un truc. Non, il y a moitié. Il est parti. C'est pas bon, hein. Ça sent pas bon, là, pour l'équipe. Non, pas vraiment. Je peux leur tirer dessus aux autres là-bas? Non, je peux pas, ça sert à rien. Mais juste au moment où je bouge, forcément, il y a des occasions de tir. Voilà, et je me remets en position, il n'y a plus personne sur qui tirer. Sont pas coopératifs. Hein. Les soucis se cachent à moitié là. Et son 940, il est pas sympa. Ouh! Ah, je vois plus. C'est C'est fini. pas passionnant cette partie, on va dire. Ouais, non, là, le flanc droit va céder, le Mais flanc en putain. face va céder. Aïe, 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 aïe. Non, je peux pas tirer, les gars. Je peux pas tirer. C'est pas du jeu. Je peux pas tirer. Je suis pas à plat. Voilà. Maintenant, je peux tirer. Vous pouvez me tirer dessus. Il y a un Rex là-bas. J'ai loupé le Rex. Pourquoi il y avait un Rex? Il a le même char que toi, le char. Non, il est en BMD1. Non, c'était le même. Il était en J'ai BMD2. loupé. Il était en BMD2, moi j'étais en BMD. En BMD2. Je veux faire du. En BMD2. Tiens, j'ai mis une dose, 421. T'as vu un peu? Ouais, ton canon fait Putain. plus mal que le mien quand même. Ah ouais, non, mais c'est ça son avantage de ce char. Par contre, il est quand même délicat à jouer. Hein. Oh, j'ai loupé. Dommage, j'aurais pu le kill là. Ah, en Non, face. non, 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 méchant, 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 méchant. Sage, couché, couché, couché. C'était quoi ce gros canon qui me regardait droit dans les yeux? Ah, c'est un ERC 90, d'accord. Oh, vu d'en face, ça fait peur, hein. Il y avait un Ouais. super gros canon, ça m'a fait peur. Ouais, char, donc vous pouvez gagner hein, le BM bidule truc là, mais le Puma, on avait dit qu'on l'appelait Puma. Char que Il vous est quand pouvez même gagner, plus chaud. c'est toujours intéressant d'avoir un petit premium tier 4, hein, surtout quand c'est gratuit. Et l'artillerie qui essaye de se défendre tant qu'elle peut, mais bon. Et on va conclure là-dessus avec le BWP1M Puma, donc ce char premium tier 4 que vous pourrez gagner durant le mois de mars avec Armored Warfare. Donc pour le gagner, bah c'est simple, vous faites 150 victoires, me semble-t-il, en PVP, donc player vs player, joueur contre joueur. Et ne pas oublier que si vous en faites même que 100, vous aurez droit durant le mois de mars, si vous arrivez à faire 100 victoires durant le mois de mars en PVP ou JCJ, vous aurez droit à 14 jours de premium. Et ça, par contre, les 14 jours de premium, ça arrivera juste à la fin du mois de mars, une fois que l'event sera terminé. Et c'est pareil, si vous réussissez à faire 50 victoires en PVP JCJ en une semaine, eh ben, vous récolterez 1 million de crédits à chaque fois. Donc toujours intéressant à avoir ces petits bonus. Et ah oui, je voulais dire quelque chose aussi. Les petits events qu'il y a régulièrement là, qui vous demandent, Armored Warfare, qui vous demandent de vous connecter simplement chaque jour au jeu et vous fait en fait gagner des bonus. Donc vous connectez chaque jour au jeu. Ensuite vous allez sur le launcher et sur le launcher vous allez voir une case pour récolter votre bonus. Donc ça il faut le faire. Et ensuite pour activer les bonus, parce que les bonus ne sont pas activés, pour activer les bonus, en fait il faut aller sur le petit éclair qui est ici en haut à droite, vous ouvrez le petit éclair et ensuite vous cliquez sur inventaire et là vous avez tous les boosts que vous aurez gagnés. Et donc par exemple là j'ai des boosts qui me donnent 3 jours de premium, je sais pas où je les ai eus, mais je les ai. Et donc je double-clique dessus et on me propose de les activer. Petit détail que j'avais oublié de signaler. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. Voilà, donc c'était ce qui va conclure avec ce petit bonus, cette petite info bonus. La vidéo sur le BWP 1M Puma, petit tier 4 que je suis sûr plein de vous se demandez d'où il sortait. Et ben c'est en faisant des missions durant le mois de mars que vous pourrez l'avoir. Et c'est tout, il sera pas à vendre dans la boutique non plus. Voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un j'aime. Et sur ce, et ben, on va vous dire au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'est-ce pas, monsieur Rex? Qui est tout Salut! sage et qui se tait. Ah oui, je te laisse finir, c'est ton intro, hein. Allez, sur ce, ciao, ciao, et faites attention à vous d'ici la prochaine fois. Ciao! Salut, chien.